Et bonjour à tous, bienvenue sur E-World Oldies, c'est Mitch et E-World Oldies et aujourd'hui on se retrouve pour un jeu pas coup de cœur du tout, je dirais même un jeu plutôt décevant pour moi parce que c'est un petit jeu en fait que j'avais présenté une fois lors de son acquisition. Ah, excusez-moi du bruit. Alors je disais donc c'est un jeu que j'avais eu qu'on m'avait donné, j'avais déjà fait un petit vidéo essai il y a quelques temps hein, qui est disponible sur ma chaîne. Et bon, j'avais juste testé le jeu et j'avoue que ce jeu m'avait intéressé. On va juste laisser le générique de malade et on se retrouve après. Alors voilà, vous avez vu un petit peu ce générique de malade, faut être honnête, belle musique, beau générique. Alors c'est vrai que ce jeu m'avait un peu plu lors de ma présentation, lors de mon essai, plutôt lors de le jour où j'ai découvert ce jeu, parce que je l'avais testé donc en vidéo test, et c'est vrai que j'avais fait quoi, les deux premiers niveaux je crois, et en fait, putain, mais ça partait, mais de feu de dieu ce jeu, hein, je dois dire. C'est vrai que moi j'étais vraiment très épaté, et là vous voyez, donc du coup j'ai décidé de le faire. Alors vous voyez, on va démarrer, attendez, on va regarder un petit peu, on descend, c'est lequel celui-ci, on va faire celui-là, il est pas mal avec les feux, les flammes, tout ça, juste pour vous montrer. Vous allez voir que c'est un jeu qui démarre super bien, je veux dire, c'est superbe, donc le scénario vous l'aurez compris, hein, c'est en gros, hein, le scénario ça parle de nanorobots, machin truc, qui servait en gros à des biens humanitaires. Et en fait, il faut pas que ces nanorobots retombent entre de mauvaises mains, parce que sinon, ils peuvent tout aussi bien servir à une aide non humanitaire et plutôt à un attentat, par exemple. Donc, vous l'aurez compris, James Bond, hein, le fameux 007, qui est d'ailleurs super bien représenté, faut le dire. Hein. Pierce Brosnan est franchement un charisme de malade dans ce jeu. Donc voilà, il doit venir au secours donc de ces nanorobots machin truc, il doit voilà. Alors donc voilà, voyez le jeu, hein, franchement on va le voir ensemble. Voyez, possibilité de faire des roulades, tirer. Voyez, c'est un système de lock. Alors voyez, il y a des petites astuces aussi à trouver. Voilà, comme là j'ai allumé les vannes, et ce qui fait que tous les méchants, on va dire, hein, sont pris au piège. Donc voilà, voyez, donc je dis, alors je vais venir à ce que je voulais dire. En fait, ce jeu partait super bien, mais par contre j'ai été vraiment déçu, c'est au fil des niveaux. Franchement, je suis pas étonné, je dois dire, je suis pas étonné, parce que venant d'Electronic Arts, c'est bien leur défaut. Moi c'est justement un défaut que je reproche bien souvent à Electronic Arts, c'est que leurs jeux sont vachement répétitifs, et ce jeu là malheureusement il démarrait super bien, tout était franchement excellentissime, jusqu'aux courses de moto et de bagnole, là où il faut rattraper le train et tout. D'ailleurs on va y aller, on va tenter d'y aller, et ce jeu démarre, mais alors franchement je dirais les trois premières heures de jeu on en prend plein la gueule, mais malheureusement au fil des niveaux c'est super répétitif, et même je dirais même chiant, parce qu'après on se retrouve dans une espèce de village où, enfin, il y a une mission à faire dans un village, et c'est vraiment lourd quoi, parce que on est quasiment tout le temps en voiture. On aura une phase en hélicoptère aussi que je vous montrerai, parce que il faut vraiment que je vous la montre. Tant pis, il y aura spoil sur le jeu, mais il faut vraiment que je vous la montre, qui moi m'a déçu. En réalité, il suffit juste de se laisser guider, enfin de guider l'hélicoptère, sans même abattre tout ce qui vient sur nous. On se fait péter de partout et on ne meurt jamais. Donc ça vraiment, ça a été un point qui m'a vraiment déçu.
Voilà, donc je veux comment spoiler un peu le jeu pour une fois. Je sais que mon but c'est pas de spoiler le jeu, donc on va découvrir les niveaux ensemble, on va les faire ensemble si vous le souhaitez, me suivre. Vous verrez que par vous-même que ce jeu est super bien fait dans les premiers niveaux et que par la suite malheureusement ça part en sucette quoi, faut être honnête, ça part en sucette. Et pour un James Bond, franchement, j'ai envie de dire que j'étais déçu. Voilà, ça c'est sûr. Alors, comment on peut présenter le jeu? Donc, vous voyez la possibilité de se retourner avec le grappin, tout ça. C'est... Franchement, il y a eu des super bonnes idées dans le jeu. Et on regrettera justement le côté où il n'y a pas assez de phases comme celle-ci, justement. Où il n'y a pas assez de phases d'attaque. Vous voyez, d'attaque comme ça. C'est un jeu qui, malheureusement, part dans tous les sens. Et voilà, quoi. Alors, comme nous ne sommes pas en off, j'ai profité donc pour capturer les 2-3 premières missions les plus sympas, je dirais. Donc, une mission, ça vous prend approximativement 20 minutes. Donc vous comptez 3-4 missions intéressantes, ça vous fait environ plus ou moins, on va dire, une heure et demie de jeu vraiment intéressant. Donc voilà, je vais vous les montrer un petit peu en petite partie, hein, les missions qui sont intéressantes. Et aussi, ensuite, je vous montrerai en petite partie des missions qui, elles, ne sont vraiment pas intéressantes. Regardez, par exemple, les démos. Même les démos, franchement, il y en a pas mal dans ce jeu et franchement, elles sont plutôt sympas. En fait, je suis assez mitigé avec ce jeu. Hein. Je suis assez embêté parce que vraiment, il partait super bien. Et peut-être que d'autres personnes... trouveront ce jeu excellent, hein, ça se pourra bien. Mais franchement, moi, j'ai été déçu par les niveaux suivants, quoi. Même requin, il y a un moment donné, on se retrouve face à requin. Mais faut arrêter, quoi. Je veux dire, faut arrêter. Requin, c'est... Enfin, je sais pas, on le tue en 2 secondes 5, quoi. Il est même pas plus agressif que ça. C'est dommage. Donc là, je vais vous montrer la phase en moto bagnole, là. Vous allez voir que cette phase, c'est une phase vraiment très très intéressante aussi. Le but, vous voyez, c'est de le faire tout en or. Hein. Donc, j'ai essayé de les faire à l'or. On y arrive franchement assez facilement. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Avec les chargements, c'est assez difficile, faut dire. Alors, voilà la phase en bagnole. La voilà. Alors, je me tâte par contre. À droite, il y a la moto. En fait, j'ai deux possibilités. À droite, il y a la moto. À gauche, il y a la voiture. Donc, j'hésite. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je sais pas laquelle vous montrer. De toute façon, on va laisser, c'est la démo. Hein. Allez, on va prendre la moto. Peut-être la bagnole. La moto, parce que la moto, c'est vrai que c'est une phase vraiment intéressante. On va prendre la moto. C'est une phase vraiment intéressante. On va dire que c'est le chemin avec l'or, justement. Hein. Donc, le chemin qui est plus le plus difficile. Alors, franchement, bon, elle se manie. Ouais, il faut se faire au gameplay. Hein, ça, c'est clair et net. Comme là, vous voyez, ça fait quelques jours que j'ai pas joué. J'arrive plus à la manipuler. Ah, putain, la noob, c'est pas possible. Donc, voilà. Alors, il y a des missiles sur cette moto. On se croirait dans une espèce de shoot'em up, vous voyez. Une espèce de Panzer Dragon avec les missiles, là. Et c'est encore plus rendu lorsqu'on dirige la bagnole. Franchement, c'est un vrai shoot'em up, vous voyez. C'est des phases de shoot'em up dans James Bond. Ça, c'est une phase vraiment intéressante aussi. Mais le problème avec ce jeu, c'est que, vous voyez, EA Games, malheureusement, ils ont vu que c'était une phase intéressante. Et au lieu d'en faire une ou deux, bah ils nous ont claqué ça durant tout le jeu, quoi. Je veux dire, c'est... malheureusement, ça devient lourd à force. Mais par contre, celle-ci, elle est... Franchement, c'est la meilleure de toutes. C'est la phase en shoot'em up, je dirais. Hein. La plus intéressante de toutes. Mais voyez, regardez, franchement, on se fait bourriner de partout. Vous voyez par vous-même. Moi, c'est ce que je reproche à ce jeu, en fait. C'est que... On se fait un peu trop bourriner et on meurt pas assez souvent à mon goût. Je le sais, c'est peut-être con ce que je dis, hein, mais sa facilité, elle m'exaspère. C'est incroyable, quoi. C'est dommage. Mais par contre, cette course-là, moi, j'ai trouvé, comme je disais, vraiment très très intéressante. On va arriver dans un endroit, vous voyez, à droite, là, faut passer à droite. Dans un endroit où en espèce d'Égypte, vous voyez. C'est franchement super beau graphiquement, c'est... En plus, il y a des routes à prendre, elles sont... Selon le chemin qu'on va prendre, on va gagner l'or ou non.
Ça, c'est plutôt pas mal aussi. C'est un challenge en plus dans le jeu. Moi j'ai bien aimé ce côté-là. Et puis voilà, sur cette mission, je crois que c'est tout. Hein. On va aller jusqu'au train et puis après les terminer. Donc, vous voyez, ça, c'est une mission qui était... Vous voyez, là, ce que je vous montre actuellement, la mission d'avant et celle-ci, ben, entre nous, je suis désolé, mais c'est le meilleur du jeu, quoi. Là, vous aurez vu le meilleur du jeu. Et là, ensuite, derrière ça, je vais vous montrer, malheureusement, ce qu'est le jeu réellement tout au long du reste du jeu, en fait. Voilà. Donc, on va la terminer pour que vous voyez bien à quel point elle était intéressante, justement, cette mission. Donc, le train est là-bas. Le but, c'est vous l'aurez compris, c'est de rattraper le train et d'aller en dessous du train. Et ensuite, grâce à ça, on va pouvoir monter dans le train, en fait. Et derrière ça, il y aura une phase dans le train qui, elle, ma foi, est intéressante aussi, je dois le dire. Une phase d'attaque dans le train, franchement, elle est plutôt jolie aussi. Je vais pas la montrer. Si vous désirez... De toute façon, moi, je peux vous dire, possesseur de GameCube, vous pouvez faire ce jeu. Ah, merde, j'ai raté. Ah, quel con. J'ai raté. Ah, quel con. Bah, vous l'aurez compris, normalement, le but, c'était de rattraper le train, en fait, et d'aller en dessous du train. Voilà, donc là derrière ça je vais vous montrer la phase en hélicoptère et puis voilà. Alors voilà, alors c'est celle tempête de sable, c'est ça. Ouais, je crois que c'est la mission de tempête de sable. Vieille amie, ouais, c'est celle-ci. Alors voilà, on va laisser la démo. Histoire, toujours pareil, une superbe démo. Là vous voyez, on est un peu plus loin dans le jeu déjà. On est en fait, on est juste après le train là. En fait, Gary, on est dans le train. On va quitter le train en fait grâce à l'hélicoptère. Et voilà. Donc là on va poursuivre le méchant. Je sais plus son nom, hein, celui-là, celui qui a volé, mais c'est pas important. Donc le but, ça va être de le rattraper avec le docteur Nadanova. Et voilà, avant que le train donc se pète la gueule, on va décoller. Et voilà. Et c'est parti, vous verrez la phase d'hélicoptère qui, moi, m'a réellement déçu. Pareil, moi, cette phase-là, je la trouvais super intéressante. Mais ce qui m'a déçu, c'est que il n'y ait pas la vue cockpit, quoi. Tout simplement. Si on aurait eu une vue cockpit, je vous jure que ce jeu aurait pris une autre dimension. C'est obligé. Enfin, pour ma part. Parce que là, vous allez voir. Et puis, toujours pareil, un peu comme les phases à moto, l'IA des ennemis, ou plutôt de la barre de vie inexistante, honnêtement inexistante. On va traverser le niveau entier sans tirer une balle, vous allez voir. On va simplement guider l'hélicoptère qui, lui en plus, n'est pas du tout évident à guider. Vous voyez, c'est dommage, quoi. Regardez cet effet de lenteur. Et sincèrement, avec une vue cockpit, l'effet de lenteur, justement, aurait été moins ressenti, vous voyez. Pour ma part, hein. Vous voyez, regardez, on a l'impression, je sais pas, de conduire un jouet ou je sais pas, enfin, décevant. Voilà, et regardez, j'ai toujours pas tiré une seule balle, hein. Vous pouvez voir, il y a 50 millions d'ennemis, j'ai toujours pas, la vie que je perds en réalité, ce n'est pas par rapport aux ennemis, hein. C'est par rapport à mes chocs, en fait, c'est ça la barre de vie qui se baisse. Vous voyez, regardez, des missiles partout, il n'y a rien qui me touche déjà. Voilà. En fait, en gros, faut juste les éviter, quoi. C'est pitoyable. Regardez, je tire toujours pas de balle, hein. même si le lock se met sur les ennemis, vous voyez, je le vise pas, je le laisse faire. J'évite simplement un petit peu leur missile. Hein. Et voilà, regardez, on traverse le niveau, tranquillou, détendu. Hein. Donc voilà, et là derrière ça, je vais vous montrer un petit peu en quoi le jeu part très mal aussi encore. Je vais vous montrer un autre niveau qui lui maintenant va se passer dans la ville, toujours en bagnole, des phases en voiture. Franchement, je vous dis, c'est dommage, vous voyez, le jeu partait bien du départ et voilà le genre de niveau auquel on a droit par la suite. Et pour moi, je suis désolé, c'est pas un James Bond. Donc on se retrouve tout de suite pour l'autre niveau. Alors voilà, les phases dans la ville. Vous voyez, c'est ce qui m'a... Moi, c'est ce qui m'a déçu. Là, on se retrouve donc dans la ville de Obladio, je ne sais pas trop quoi, où le but de la mission, ça va être de traverser la ville équipée de nos gadgets James Bondifiés de la voiture. Donc, par conséquent, l'invisibilité. Et vous voyez, regardez, encore une phase de ce type-là. Franchement, moi, c'est...
Je m'attendais, en fait, je m'attendais à autre chose de ce jeu, vous voyez. Je m'attendais à un réel James Bond où on allait contrôler Pierce Brosnan du début à la fin. Et là, on se retrouve en réalité à contrôler Pierce Brosnan dans les 2, 3, 4, 5 premiers niveaux. Et derrière ça, on se tape que des phases un peu comme ça. des phases en bagnole, des phases en moto, des phases en hélico. Qu'il le fasse une ou deux fois, je veux bien, afin de renouveler le gameplay. Oui, ok, ça aurait pu être intéressant. Mais là... Je suis désolé, EA Game, mais voyez justement, vous faites fausse route parce que ça, c'est plus un James Bond. Arrivé là, c'est plus un James Bond pour ma part. C'est, je sais pas. J'ai été déçu. Enfin, moi, ce jeu m'a déçu par ces phases-là. Même si ce n'est pas totalement pourrave, faut être honnête. Je veux dire, regardez, graphiquement, le Porsche Cayenne est plutôt bien rendu. Bon, c'est clair qu'il y a un léger aliasing, vous le voyez par vous-même. C'est vrai qu'il a, il a un beau aliasing, mais on est sur GameCube, donc. Donc voilà, moi je dis ce jeu, est-ce qu'il a à faire ? Oui, j'ai envie de dire oui parce que c'est pas un si mauvais jeu de la GameCube, mais ça sera pas non plus un jeu qui sera dans les annales de la GameCube pour ma part. Enfin, du moins, moi ce sera pas un jeu que je retiendrai, ça c'est sûr. Et franchement, tant qu'à faire un James Bond, bah autant rester sur celui-là de la N64 parce qu'il est 10 000 fois mieux. Donc voilà, je pense que j'ai réussi plus ou moins à dire ce que j'avais envie de dire dans le jeu, à vous montrer ce que j'avais envie de vous montrer aussi. Et n'oubliez pas, vous pourrez retrouver nos prochains tests sur e-world oldies. Je l'ai bien dit. Donc voilà. Sur ce, les amis, je vous dis ciao et à la prochaine.